Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Space Exploration pour la mise en route, enfin, de notre réacteur nucléaire, le Covarex. Alors, c'était long à mettre en route, hein, mais on a bien travaillé en même temps. On a commencé à travailler sur les défenses, hein, pour qu'on puisse accélérer la mise en place, qu'on puisse poser nos city blocks, etc. Il nous fallait des défenses tout le tour, bien protégées, bien vues aussi, avec des radars partout. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Des roboports partout, si possible, ou presque partout. Et il nous fallait évidemment des. Comment ça s'appelle? Il nous fallait évidemment donc bien protéger et de l'énergie. Et l'énergie, eh ben, on est sur le point de l'avoir. La protection, on a fini à l'ouest. C'est complètement fini cette protection. On manque très clairement de munitions, mais en même temps, on se fait attaquer tellement peu que je me dis que ça peut tourner avec ça. Hein, que si ça se trouve ça marche, on va aller voir là notamment. J'aimerais bien voir les munitions. Ouais, regardez, c'est stacké là. Hein. Là, c'est stacké un peu. Et là, c'est loin d'être stacké évidemment à gauche, mais là, c'est stacké. Ce qui fait que quand ça sera bloqué, eh ben, ça commencera à aller un petit peu plus à gauche. Allez, hop, voyons voir maintenant ce que ça donne. Eh ben, ça finit de travailler ici. Ouais, c'est étrangement, par contre. Eux, ils sont mal mis. Je vais les décaler un peu parce que c'est moche. Mais bon, faut pas le prendre mal. En attendant, ici, moi, je vais mettre... Voilà. Okay, ici. Voilà. Super. Et zou. Waouh! Il était rapide pour me le mettre. Ok. D'accord. C'est la panne générale. En attendant qu'on vienne mettre ces deux roboports. Oh, là c'est beau. 300. Eh bien, on y croit. Hop. Trois cent quarante. Mince. Bon, on va mettre un petit truc comme ça là. Alors, est-ce que je pourrais commencer à partir à l'est là? Je pourrais probablement commencer à partir à l'est. Donc on va nettoyer tout ça.
Il a été mis ou toujours pas? Il a été mis. Il charge. Il charge, il va connecter. Il a connecté. Donc celui-ci va pas tarder. Voilà. Il va charger aussi. Et donc, on est parti bientôt pour le nettoyage supplémentaire. Dès qu'il sera up, il est up. Zou. Ça serait bien de mettre un radar ici. Hop là. Combien? 600. Là-bas, le radar final. Très bien là, puis après je démolirai celui-là, puis je regarderai s'il y a un trou ou pas. Il n'y aura pas de trou, regardez. Toc toc. Donc, je pense que je peux le descendre un peu. Mais peut-être pas d'autant. On verra ça. Pour l'instant ici, ça bosse. Dans le nettoyage. Ici, on n'en est pas loin. Alors ici, pour moi c'est propre. On va pouvoir commencer à avancer. C'est propre, mais on a quand même un déchet. Toujours pas propre ici. On continue à attendre. Et ça monte. Il m'a rien cassé au moins. Alors ici. Non, ça n'était toujours pas fait. Waouh, ça aurait pu. Ok. Bon, on va lancer des nettoyages. Ça, c'est de la biomasse. On a du boulot. Celui-là, il aurait nettoyé s'il avait pu. Là, on aura bientôt fini, je pense. Allez, hop, on y va.
Hop. Voilà. Le roboport. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hey, on va bientôt avoir dépassé nos tanks. Oui, alors là, on a du boulot avant que ce soit fini d'être nettoyé, tout ça. Que va avec ça? À combien on monte? Allez! Oui! Oh là là! Oh là là! 875. Ça va le faire. Ah bah oui, mais ça va pas le faire parce que j'ai pas amené mes plaques d'acier. Tadam! La mauvaise surprise du jour. Oh allez, on va dire qu'on a... Oups, petit ok, le temps de les ramener. Ça passe là, si. Oh, d'un seul coup, ça s'énerve là. Je crois que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'acier, mais... C'est la seule sortie, hein. Non, il y en a une sortie aussi plus haut. Ok. Qui vient ici. Celle-là que je vais détourner. Raté. Pas. C'est où? Et voilà l'acier. Est-ce que ça a commencé? Non. Ça pourrait être là. Non. 900 et ça va redescendre. Peut-être prochain coup. On va revenir. Ouh, alors là, il y a quoi?
pourquoi vous... Il n'y a plus de stockage, nom de Dieu. Plus assez de coffres jaunes. Pourtant, on en a fait plein, des coffres jaunes bien dégueux. C'est scandaleux. Regardez-moi ça. Voilà. Ça c'est fait en tout cas. On est décoincé. Oh. Oh. Ben voilà, c'est parti, c'est de l'allumage. C'est l'allumage du réacteur. C'est parti. Oh, quelle puissance! Allez, allez, allez. Donc c'est le 1 qui va le prendre, hein. Normalement c'est celui-ci. Ou c'est l'autre. C'est parti. Ça chauffe. Est-ce que ça va bouillir? Il va falloir encore un petit peu avant que ça bouillasse. Bon, voilà. Est-ce qu'il a fini de consommer le premier? Non, loin de là. Loin de là. Par contre, bah, on a le temps, hein. Il y a la montée en température d'abord, jusqu'à 500 degrés, puis après jusqu'à 1000. Ouais, encore un. Ça s'entasse là. Bah oui. Bah oui, ça arrive bien plus vite que ce que ça les consomme. Voilà, allez, jus. Zou, 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 on y est. C'est le moment où on débascule. Donc, première chose à faire. Ça. Alors pour l'instant, c'est des deux, mais évidemment, on viendra les upgrader. Par la suite. Voilà. Bah, du coup, ça va aller nettement moins vite. Hein. On était à 1,6 vitesse de fabrication. Et on passe à 0,7. Moins 80%. Aucune modification. Donc il faut que j'en mette 3. Hein. Voilà, moins 80. Est-ce que je tente un petit... Ouais, un petit moins 60, mais avec une petite accélération, une petite reprise de la vitesse légère.
pas si mal, hein. On n'est qu'à moins 60, mais ça me paraît pas mal. Je crois que c'était ce qui était prévu, hein, de toute façon. Voilà, ça va produire moins vite, mais ça devrait fonctionner parfaitement. Voilà, et ben, on a bouffé toute la réserve. Il y avait grave plus de réserve. Hein. La picote. Combien j'ai? 255 là. Ah oui, par contre, ici, on finira par avoir un moment où c'est ici que ça va saturer de toute façon. Ceci dit, là, on va quand même upgrader ça maintenant. Il est temps. Et il a déjà le diffuseur. Ça va reprendre. Alors on vient ici. Ok, là c'est tout propre. Donc on repart pour un coup. Probablement l'avant-dernier. C'est sûr que c'est bon là. Ah bien. Écoute, très clairement, il va falloir mettre un radar ici. Et là-bas. Les expulser. Max productivité. Parfait. Donc là on est à moins 45 et l'énergie plus 60 quand même. Ah oui. Ah, c'est pas grave. Consommation. 0,5 la vitesse, mais avec un peu de productivité, donc on va faire avec. On aura des meilleurs modules bientôt, ce qui va nous permettre de d'améliorer un peu tous ces rendements-là. Je pense qu'à 0,5, on est bien. Consommation normale. C'est parfait pour le Covarex. Ici, j'ai l'impression que ça baisse un peu quand même, hein, ceci dit. On verra, mais avec les autres modules, on devrait se sentir bien. Pique, ça baisse un petit peu, c'est pas grave, tant que ça continue à monter ici. Donc ici, ça monte, ça veut dire que ça sature, donc... Tous les combien de temps tu me fais un truc, toi? Vitesse de fabrication 0,5. Donc c'est toutes les 20 secondes tu m'en fais un. Ouais, c'est pas énorme. Mais il y a le bonus. Ben ouais, c'est bon. On est bien mis. Ah, il n'est pas alimenté lui par contre. Voilà.
Continuons ici. Ah, bah oui. Hop. On va y arriver. Hop. Voilà. Et voilà. Aïe! Une éjection de masse coronale se dirige vers novice. Au faisceau d'énergie, voire faisceau d'énergie dans l'information pour plus de détails. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Informatron. Faisceau d'énergie. Les étoiles de l'amas local émettent parfois de dangereux flux de particules chargées. Il n'est pas rare que la trajectoire d'une planète ou d'une lune l'expose à ces rayonnements intenses. Si vous avez beaucoup d'installations sur un corps menacé, vous devriez l'évacuer en sauvegardant vos installations critiques ou bien construire un parapluie magnétique soutenu par une grande quantité d'accumulateurs. Si vous n'avez que peu de structures sur la surface, il est assez probable que vous puissiez vous en sortir sans dégâts importants. Les EMC sont déterminés, sont détectés et se déclenchent une alerte avec au moins 4 heures d'avance. Les surfaces menacées dans les prochaines heures sont listées ci-dessous. 182. Alors, pic à 2,22 gigawatts. Parapluie magnétique, protection contre les rayons énergétiques. Le parapluie est une installation de défense contre les faisceaux d'énergie. Peut vous aider à détourner les faisceaux de particules provoquées par une éjection de masse coronale ou bien par une arme énergétique visant la surface. Cette installation crée un bouclier magnétique qui dévie les particules incidentes le long des lignes de flux, protégeant la surface d'un impact direct. Les seuls prérequis de fonctionnement est une grande quantité d'énergie à la hauteur de la puissance du faisceau de particules incident. En plus de 10 MW de consommation de base, un seul parapluie magnétique permet de protéger une planète entière d'une éjection de masse coronale ou d'un faisceau hostile de jusqu'à 500 gigajoules. Pour une éjection de masse coronale menace une planète d'un rayon de 5000 avec un facteur solaire de 100, la puissance requise sera de l'ordre de 160 gigajoules en 2 minutes avec une puissance max de 1 gigawatt au pic de charge. Un facteur solaire plus fort ou plus faible fera varier cette puissance requise à la hausse ou à la baisse. Faisceau d'énergie. L'émetteur de faisceau est capable de transmettre de l'énergie vers une autre surface pour un usage civil, vers un récepteur installé, ou bien comme un talon porté, le glaive utilisé comme arme. Vous pouvez contrôler le déplacement du faisceau qui répondra à la dévastation sur son chemin. Les dégâts et la vitesse de déplacement du rayon dépendent de l'énergie de celui-ci. Le monde autoglaive pilotera tout seul le rayon pour anéantir vos ennemis sur la surface visée. Un émetteur de faisceau énergétique présente quatre connexions auxquelles peuvent être placées des chambres de faction. De faisceaux, ces chambres de faisceaux peuvent être liées les unes aux autres. Ah, on se fait attaquer. Arrête, 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 ça. Ah, mais c'est rien, ça. C'est rien du tout. En plus, on va bloquer ici bientôt, là. Tu m'as stressé. Oui, mais alors, redis-moi ce que je dois construire. Un parapluie magnétique. Eh ben, on va aller chercher ça, mais je crois que j'ai pas ça. Parapluie. Système de défense électromagnétique. Très bien. Construisons un parapluie magnétique. Parapluie. Magnétique. J'ai ce qu'il faut. Ben, je l'ai construit. Reste à savoir ce que je vais en faire. Apparemment, il faut des accumulateurs. Donc. Il
Capacité énergétique 1 gigajoule. Très bien. Parce que... Comment je l'augmente? D'accord. Je crois que c'est rien, faut juste que j'ai des accus. En même temps, c'est dans longtemps, hein. Dans 23 heures de jeu. C'est au bout de 2 jours de jeu. Ah, rigolo. C'est donc le temps qu'il faut. Pic à 2,28 gigawatts. C'est à peu près la puissance de mon... De moi... De mon, ouais, c'est ça. C'est la puissance de mon réacteur. Donc, on devrait avoir aucun problème à gérer. Je pense, hein. On devrait avoir aucun problème à gérer. Le réacteur. Dis-moi comment il tourne. Mais il tourne pas. Zéro. Il tourne pas encore. Toujours pas assez chaud? En tout cas, on a du carburant qui traîne dans le coin. 120 degrés. Voilà, est-ce que je vais le monter à 500? J'ai pas vraiment besoin de monter à 500 pour l'instant. Hein. Faut juste attendre. Y a rien à faire de spécial, faut attendre. Quand ça sera à 500, on aura d'énergie. C'est long, c'est tellement long le nucléaire à mettre en place. On a mis je sais pas combien de temps, ou quelques heures seulement. Hein. Ok, ça remplit ici 450, on est bien. On a vu que le carburant se faisait largement suffisamment vite puisque là-bas c'est déjà en train de saturer, ou presque. Ici on est propre, on produit notre carburant. Et maintenant au moins on consomme beaucoup moins d'énergie qu'auparavant. C'est les serres qui consomment le plus. Et c'est bien parce que les serres, on va pouvoir les stopper. Alors je peux même pas encore arrêter pour l'instant les serres et les autres générateurs, tout simplement parce que il faudrait que j'aille mettre à la main l'énergie dans le réacteur jusqu'à ce qu'il atteigne 500, sinon le petit bras ne serait plus alimenté. Je me demande si on peut mettre un bras thermique avec un truc nucléaire dedans. Ça doit durer longtemps. Est-ce que ça a une valeur? Ah oui, 50 gigajoules. Ah ouais. C'est quand même bien. Bon. Là, c'est terminé. Là, il semblerait que tu veuilles pas me mettre lui. Et pourquoi? Parce que ça manque. Go, 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 go. 80 fer. 50 plutôt. Du coup, c'est la même raison ici. On va avancer sur ces deux fronts-là en même temps. On mettra les protections là, on mettra les protections là. Les radars. On va détruire ce radar-là. Et je vais mettre une petite marque au sol pour dire où il était. Ben là, a priori, on n'a presque plus besoin des tanks, hein. On enverra suicider tous les autres tanks.
Je sais que je gaspille du carburant. Quatre-vingt-neuf. Alors c'est pas la même réserve par contre, hein, ça. Là c'est une réserve à part, c'est pas une réserve pour ça. La réserve pour ça, elle est. Oui, j'aurais pu faire une réserve. Hop. Eh ben non, je voulais faire une réserve justement. Hop. Ça, c'est le nouveau coffre vert. Et là. C'est le coffre en acier. Ouais. Encore? C'est rien ça. On va survivre. Ouais, ça, toi, je peux te bouger. Hop là. Zou. Donc voilà, on est beau. Donc on a une réserve pour là et une réserve pour là. Double réserve. Ok, il faudra faire des accus. Voilà, ça va bientôt s'éjecter. Alors oui, je sais. Je vais mettre un titre pour dire que on l'a démarré, mais que bon. On est qu'en chauffe. Vous serez au courant. Combien de minutes en fait ça prend? Ça prend 1 heure. Ça doit prendre 1 heure à le mettre, à le monter. On est à 159 sur 500. Et en attendant, par contre, là, ouais, ça s'est bien accumulé. C'est tout beau. Ici, je vois qu'on commence à manquer un petit peu de 238 quand même. Mais on a les modules, les nouveaux modules de vitesse, de productivité et d'efficacité qui vont arriver. Et à partir du prochain épisode, on va capitaliser là-dessus et se dire que l'énergie va arriver. Et je vais commencer déjà par dupliquer ça pour faire les modules, les trois types de modules automatiquement pour plus avoir à m'embêter et à les faire à la main, même si j'avais plus ou moins déjà arrêté d'en faire. Hop, voilà. Et on va pouvoir du coup mieux répartir avec cette nouvelle génération. Je devrais être capable de remettre quelques modules de vitesse en fait là-dedans pour accélérer un petit peu le rythme de toute façon et ainsi avoir un remplissage plus rapide de notre uranium. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.